Eh bien salut tout le monde, c'est Wariox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2 et je vais vous réexpliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le secret. Mais d'abord je tiens à vous remercier pour la tenue du bruisseur pour la vidéo parce qu'on a dépassé les 7000 vues, c'est énorme franchement, merci beaucoup à vous. Donc là j'ai découvert des nouveaux lieux et tout grâce aux abonnés, ils m'ont dit de tout faire et tout. Par contre je ne vous referai pas les voix d'enfants parce que c'est un peu long. Tout ce qui parle et tout. Si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo que j'avais fait dessus pour écouter. Voilà, donc c'était à 23h. On doit aller là. Hop. On doit viser cette caisse, ça fait du bruit. À 23h du soir, hein, je précise, parce que il y en a qui me disent par exemple, c'est ça à quelle heure, 23h du matin ou 23h du soir? Si c'est marqué 11 p.m., c'est que c'est le soir. Et si je dis 23h, c'est que c'est le soir, c'est pas le matin. PM, ça après-midi, un petit moyen mémotechnique. PM, on dit pré-midi pour moi. Enfin, c'est un mémotechnique. Et du coup, je peux pas me tromper. Donc maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Ça se trouve à peu près vers ici, les caméras, là. On m'avait dit que si je mets le net hack, des enfants rigoleraient. Je sais pas si ça marche, parce que ça marche pas tout le temps. Non, voilà, ça marche pas. Bah, je ne sais pas, ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais j'ai déjà réussi deux fois à le faire. Donc je ne sais pas, je vous jure que c'est pas... je vous jure que c'est pas du fake. Il y a les enfants qui rigolent là. Non, moi je ne sais pas. Je vous jure que c'est pas du fake. Il y a des enfants qui rigolent. Mais bon, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Ça ne marche pas tout le temps. Et quelqu'un m'a dit aussi que quand tu danses devant les caméras... Eh ben, ça te fait un rire diabolique. Et ça, j'ai jamais réussi. Ou alors, il m'a dit aussi, on peut le faire grâce à l'appareil photo. Et ça ne marche pas non plus. Donc, tu me diras si je l'ai bien fait en commentaire. Parce que là, c'est marqué « Smile for the camera ». Donc, ça veut dire « Souriez vers la caméra ». Donc, c'est ce que j'ai fait, hein. Vous allez me dire, oui, il faut viser vers la caméra, tout ça. Mais je l'ai déjà fait, vous inquiétez pas. Donc ensuite, je vous ai dit aussi qu'il y avait des bus cachés, tout ça, écrasés. Dans des zones comme ça, par exemple. Il y en a un autre que j'ai découvert avec des abonnés. Je vous le ferai voir en fin de vidéo. Pour l'instant, on va participer à l'autre étape. Voilà, là, vous vous reposez. Enfin, vous vous reposez pas, mais vous êtes près du bord pour vous reposer. Et quelqu'un m'a dit, regarde bien cette télé ici. On voit un truc à l'intérieur. Et il a pas faux. Regardez, quand on bouge, on voit un signe. Voilà, stop. Et ce signe, on dirait le signe du bruisseur. C'est moi qui ai réfléchi. Parce que, regardez, regardez bien là. On dirait, regardez bien le haut, le truc rouge là, avec mon cadreur là. Le truc rouge là, on dirait le signe du bruisseur. Regardez mon appareil photo, je vais vous faire voir. Je peux pas vous le mettre à côté les deux parce que j'ai pas un bon logiciel de montage pour ça. Je suis désolé. C'est où? C'est là, hein. Je suis désolé, j'ai pas assez de fric pour m'en acheter à 250 €. Voilà, on dirait à peu près le signe là. Regardez bien. Hein. On dirait à peu près, hein. C'est pas vraiment ça, mais à peu près. Donc mon appareil photo, il est plein. Hein. Faut que j'efface des photos et tout. Et puis là, quelqu'un m'a dit aussi « Happy New Fear ». Et ça, ça veut dire « Joyeuse peur ». Donc, attends, j'ai jamais remarqué qu'ici, en fait, c'est toutes les opérations qu'on a terminées. J'ai jamais remarqué d'ailleurs. Donc, joyeuse peur. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, joyeuse peur. Est-ce qu'il y aura un esprit dans l'hacker space? Comme ma vidéo que j'ai fait aussi de 36 secondes, quand je suis rentré dans l'hacker space et que tout y a explosé. Pour moi, c'est un bug parce qu'il y a des post-it. Par exemple, là, les post-it qu'on voit là sur l'ordi, là juste ici, ils volaient. Donc, ça devait pas être comme ça en fait. Je pense que c'était un bug, mais ça fait peur quand même. Hein, c'est... Après, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça là. Attends, green beans. Ça veut dire haricot... Je ne sais pas quoi. Haricot vert, bah c'est tout. Bah ouais, haricot vert. Cette main m'intrigue aussi, hein, depuis le début. À chaque fois, je mettais ma tête en dessous. D'ailleurs, quand le hackerspace a explosé, tout le monde m'a dit « Oui, c'est peut-être l'esprit d'Horatio, tout ça. » Mais moi, je me suis dit « Non, ça doit pas être l'esprit d'Horatio. » Parce que... Pourquoi Horatio aurait attaqué le hackerspace? Ce n'est pas Marcus qui l'a tué, il pouvait pas le sauver, il s'était pris un couteau, il me semble. Ah, désolé pour le spoil, hein, mais bon, vous savez,
Si vous êtes là, c'est que normalement vous avez suivi le Let's Play, vous avez fait Watch Dogs 2 depuis le temps, hein. Je suis désolé, bon voilà, Horatio est mort, voilà. Donc franchement, c'est vraiment une intrigue, hein. Vraiment une intrigue. Bon, on va se retrouver pour le prochain truc, à tout de suite. Donc ensuite, il y a des camions, enfin des camions, des bus d'école qui sont un peu abandonnés dans des coins de la map. Je vais pas vous les remontrer parce que ça va faire trop long. Si vous voulez les voir, vous avez qu'à voir ma dernière vidéo, il n'y a pas de souci. Je vais vous le mettre dans la description et puis aussi dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez aller la voir parce qu'après, ça va faire hyper long tout remontrer. Par contre, il y a deux nouveaux bus que j'avais retrouvés. Ça, je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Il y a un camion qui est dans la mission de... Ah, excusez-moi si je bégayais, mais j'ai juste de me réveiller. Je devais faire la vidéo parce que sinon, j'ai oublié. La mission... Progrès caustique, j'arrive plus à parler. Dans la mission Progrès caustique, c'est dans le DLC Conditions humaines, il me semble. Je vais vous passer la cinématique parce que pour ceux qui veulent pas de spoil et puis tout, voilà, donc cinématique, hop, on passe. Super connard, lol. Ça aussi, on va passer quand il parle. Hein, si vous voulez aller voir le let's play, je vous invite à regarder sur ma vidéo que j'avais fait dessus. C'était en live. Ça, c'était une bonne mission, celle-là aussi. Hop. Je me fais un peu de sous. Eh, j'ai bientôt 3 millions... 8 millions, pardon, de dollars. Combien j'en ai, là? 7 843 856. Et j'ai tout acheté dans le jeu. Oh, des sous, des sous. Le truc chiant, c'est quand tu les pirates, ça leur fait sonner leur téléphone quand je fais ça. Ça, pardon. Parce que c'est pas ça que je veux faire, pardon. Allez, on va prendre une voiture parce que c'est un peu long. Je sens la musique quoi. Mais donne-moi ta voiture, regarde ce qu'il fait Marcus. Ah vraiment hein, les bugs. Non. C'est aussi les bugs quand tu pirates la voiture. Bon, tu dégages. Hop, tac, voilà, ça va plus vite. Le temps que tu descends. Ah bah là t'es mort hein, je t'ai roulé dessus. Allez, comment tu veux. Attends, déjà je coupe la musique. Comment tu veux slalomer ça quoi? Eh, hey, j'ai pas fait exprès, monsieur. Eh, hey, oh. Alors, on y va. Donc, je dis pas que j'ai trouvé le secret, tout ça. Me dire, ouais, c'est du fake. C'est un mystère, c'est un secret pour moi, mais... J'ai pas encore trouvé quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, on sait pas. Hein. On ne sait pas encore. Surtout qu'il y a eu une mise à jour il y a pas très longtemps, quand même. On ne sait pas, on ne sait pas. Je sais plus c'est à quel endroit par contre. Voilà, je vous ai parlé un petit peu. Je vous remets dès que c'est le bon endroit. A tout de suite. Voilà, donc là on doit parler aux SDF si vous avez la mission. Ils sont là. Donc si vous n'avez pas la mission, attendez, je vais vous mettre l'endroit. Donc si vous êtes au premier SDF ici, juste ici, vous continuez ici. Hop. Vous allez juste à gauche. Et on le voit déjà, il est dans l'eau. Un bus d'école, bien sûr, encore. Voilà, il est juste ici, encore le bus. Donc je vais vous montrer si vous n'avez pas le DLC. C'est juste ici. Voilà, c'est juste ici. Donc je sais pas ce qu'il faut faire avec ces bus. S'il faut tirer sur toutes les fenêtres. Si. On peut pas rentrer à l'arrière, on ne sait jamais. Ou que c'est détruit? Non. Ah, ça c'est l'avant, ok. Je sais pas à quoi ils servent, mais vraiment, tous les bus qui sont là, quoi. Et quelqu'un m'a dit aussi que... Vous quittez la zone de mission, moi, je m'en fous, je quitte la mission, moi. Quelqu'un m'a dit que pour les bus, il y en a un qui a été crevé par les pneus, c'est pour ça qu'il atterrit dans les arbres. Donc je sais pas si c'est vrai, mais bon, je vous incite toujours à regarder ma dernière vidéo dessus. Parce que c'est surtout celle-là qui est intéressante, parce que je vous rappelle qu'on entend des voix d'enfants qui parlent,
On voit les toilettes des enfants avec du sang à l'intérieur. On voit quelques bus. On voit des trucs disparus qu'on voyait dans Watch Dogs 1. Donc là vraiment. Et puis on dirait aussi une sorte de dieu, comme je vous ai fait voir dans la première vidéo. Donc ensuite, je vais vous faire voir quelque chose qui est encore dans un hackerspace qu'un abonné m'a fait voir et c'est vraiment étrange. Et aussi, je vous incite aussi à regarder dans les commentaires de la dernière vidéo les propositions qu'on m'a fait. Quelque chose qu'on m'a dit aussi qu'il y avait des trucs comme ça quoi, parce que je pourrais peut-être pas tout mettre et je vais peut-être oublier des trucs. Je fais ça un peu vite fait parce que je suis un peu en retard dans les vidéos là. Parce que j'essaie de faire ça un peu avant la rentrée parce que ça va être chaud sinon. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour le hackerspace. À tout de suite. Voilà, donc ensuite c'est dans ce hackerspace à Auckland, juste ici. Parce que les autres on s'en fout un peu, enfin je sais pas s'il y a des autres trucs dans les autres. Je vous parlais comme ça pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de musique dans ce hackerspace. Le dernier bus, je le mettrai juste à la fin parce que j'ai un peu la flemme de chercher. C'est dans la mission de où est-ce que Wrench il cherche son masque là. Je sais plus ce que c'est, je referai un confront comme ça je saurai où est-ce que c'est. Donc je vous dis à tout de suite pour le hackerspace. Non, je me suis foiré, c'est pas le hackerspace là, c'est celui-là, excusez-moi. Je me suis complètement foiré. Parce que je retiens pas tous les hackerspace quoi. En fait, c'est le hackerspace avec les portes, mais j'avais oublié. Après, je sais pas s'il y en a dans les autres, hein, mais j'ai complètement oublié que c'était celui-là marine. Donc, c'est celui-là marine, hein, pas Auckland. Si vous avez fait un trajet rapide à Auckland, faut regarder la vidéo 10 secondes à l'avance. Hein. Donc, ensuite, dès qu'on est là, je vais vous montrer quelque chose que quelqu'un m'a montré. Vous voyez ça? Vous allez dire, ouais, c'est un singe, qu'est-ce qu'il y a? On s'en fout de ce petit singe. Ben, regardez bien. Regardez uniquement ce singe. Regardez bien. Regardez-le bien, hein. Voilà. Oh putain, ça fait flipper, regardez. Une tête de mort. Ah non, ça marche plus comme ça. Qu'est-ce Non. qui se passe? Regardez, ça fait une tête de mort. Putain, ça fait flipper. Regardez ça, quoi. Ça fait une tête de mort là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Ça fait une tête de mort. Holy shit. Oh putain, ça fait tellement flipper. Voilà, donc ça, là, je peux pas me rapprocher plus parce que ça marche plus. Je vais vous montrer aussi d'autres choses dans ce hackerspace. Faut que je retrouve où est-ce que c'est. C'est comme la carte, on m'a dit. C'est pas ici? Je t'entends. Ah, ils sont chiants ceux qui parlent, les bras de voix et tout. Je déteste ça. Chaque fois qu'ils parlent entre eux, là. C'est hyper chiant, je trouve. Bon, je vais chercher, je vous mets le moment où est-ce que j'ai trouvé. Oui, donc c'était bien la botte tout à l'heure que j'avais regardé. On m'avait dit, si tu regardes ça avec le NetHack, on dirait des points sur une map. Regardez. Là, on voit tous des petits points. Et puis, il me dit, ça ressemble un peu à la carte. Pour moi, ça ressemble pas trop à la carte. Tu vois, la carte. En fait, ça se finit par là, mais bon, c'est pas trop la carte. Il y a tellement de points. Donc, pour moi, ça serait pas des indices à chercher. Parce que tu vois, tous les points qu'il y a sur la map. En plus, c'est incompréhensible pour moi, mais bon. Je pense pas que ça fait partie du mystère, mais bon, c'est juste pour vous montrer que c'est un peu chelou. Donc, je crois que dans ce hackerspace, il n'y a plus rien. J'ai plus rien à vous montrer, je pense. Je vais faire un petit tour. Non, j'ai plus rien, je crois. Je vérifie quand même. Je me balade en même temps, comme ça, vous me dites si vous avez vu quelque chose de bizarre. Ah, si, 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 si. C'est fiche, là. Excusez-moi, c'est fiche. Je sais plus ce qu'il faut faire avec. Bah déjà quand on met le net hack, il y a des trucs noirs, je sais pas, non c'est juste les graphismes, parce que quand je m'en vais, voilà. Mais regardez, quand je m'éloigne, je crois que ça fait un truc bizarre. Il est où l'escalier? Vas-y, c'est chiant l'escalier du jeu. Ah non, je peux pas le faire comme ça. Non, j'ai remonté. Ouais, mais ils sont chiants avec leur truc que j'ai repéré là. Il y a des canalisations et tout qui explosent, et on peut pas pirater, parce que regardez. Je suis dans un hackerspace. Il n'y a personne avec moi, je peux pas me déconnecter. Je sais plus comment il faut faire. Regardez bien.
En tout cas, il y a des bugs là-bas. Ah, ça a bougé. Non. Il y a des trucs qui bougent, mais bon, ça c'est des bugs, je pense. Ah, ce singe m'intrigue toujours. Bon, bah, je vois pas comment il faut faire. Si vous avez une idée dans les commentaires, vous avez qu'à me le dire. Sauf que je ne crois pas qu'il y aura un troisième épisode, parce que, à moins que si j'ai trouvé le mystère à un troisième épisode. Mais je pense pas qu'il y en aura d'autres sinon. Non, bah je ne sais pas, on m'avait dit un truc avec ça, mais bon, il n'y a rien qui marche. Donc je pense que c'est tout. Je sais que la vidéo a été très courte, vous attendez un truc de ouf et tout, mais bon, vous savez, je peux pas tout trouver sur ce jeu, hein. C'est à vous aussi de m'aider, tout ça. Des fois vous allez dire, oui, mais je t'invite, tu viens pas, tout ça. Oui, je tiens à vous dire aussi que je réponds pas aux messages de la PS4 parce que c'est beaucoup trop long, j'en ai beaucoup trop. Je suis pas là pour répondre, je suis là pour jouer. À part quand vraiment c'est important. Si vous voulez des questions, dites-le moi sur. Ah, regardez, il y avait des points là aussi. C'est chiant, la police. Non, mais les voix, elles sont trop fortes, quoi. Ça, c'est un faible du jeu. Hein. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les moi sur YouTube. Ça, pas de souci, je répondrai. Hein. Il n'y a pas de souci, ça. Mais sur PS4, je réponds pas. Sinon, comme je le dis à tout le monde, je ne peux pas jouer avec tout le monde. J'ai plus de 114 amis, là. C'est énorme. Sur 114 amis, j'en ai peut-être 95 qui jouent à Watch Dogs 2. Voilà. Donc là, je vais vous mettre le deuxième bus que j'ai découvert. Parce que j'étais en train de faire le confront, je tirais. D'un seul coup, à ma droite, il y avait un bus. Non, c'est. Fais-moi voir ce que c'est. Si c'est une connerie, je te jure, je vous défonce tous. Super, des bugs du jeu. Il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a aucun tir, il y a rien du tout. Donc, aussi dans le hackerspace principal, je vais vous montrer au cas où vous en rappelez plus. Je vais vous montrer. Ah si, 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 j'ai encore quelque chose à vous montrer avant. Ce qu'on m'a dit, oui, mais vu que tu fais les voix à 11h du soir, est-ce que tu ne ferais pas les toilettes à 11h du soir? Donc pour moi il va rien se passer de spécial, mais bon, c'est pourquoi pas, vu qu'il y a du sang dessus, on va essayer ça. Au moins, même si ça ne marche pas, je vous aurais montré, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, chargement. Voilà. Ah oui, donc attends, ça serait sympa si je pouvais entendre les voix qui rigolent. Non! Oh, vous avez entendu la voix qui a rigolé? Vous avez entendu ça? Ça m'a fait flipper! J'ai réussi! On a entendu. Ah! Non mais vous moquez pas de moi, sérieusement? Vous avez pas entendu? Oh, j'ai réussi! Oh, ah, ah non, je vais appuyer dans ce hackerspace. Citara! Citara, je me mets derrière toi, je me mets accroupi avec mon ordi. Citara, protège-moi! Elle fait quoi sur son portable, elle? Je peux pas zoomer. Rien du tout, elle est sur son menu. Ah, mais je veux pas te percuter, 2 secondes. Elle se fout de notre gueule en fait. Elle est toute la journée devant son portable, mais elle fout rien. Bon, Ray, lui, toujours avec ses panards là. Tiens, je t'éclaire. Tiens, je te fais un petit bronzage. Là, vraiment, c'est épique. Vous avez entendu la voix qui a rigolé? J'ai presque pas envie de le refaire, quoi. On va essayer. Oh!
Ça a encore marché! Ça a encore marché! Mais quelqu'un va venir nous hacker, quoi! Je déteste. Non, pas les jeux d'horreur. Mais. Les jeux qui ne ressemblent à rien dans l'horreur, mais finalement, c'est de l'horreur. Si vous me comprenez. Donc, je vous rappelle qu'Happy New Fear, ça veut dire joyeuse peur. Alors, déjà. Ok, on va se calmer, hein. Les enfants. On récapitule. Les enfants qui parlent de clous. Les enfants qui rigolent, malgré que j'ai pas pu vous le mettre. Parce que je. Ne me demandez pas, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai mis le détail, ça a rigolé, hein. Quand on danse devant la caméra, on m'a dit aussi quand tu prends. Quand tu fais ça, comme ça plutôt, et que tu fais ça, ou comme ça, ou comme ça, ou n'importe comment, ça les fait rigoler aussi. On va tester, mais je j'ai pas encore réussi ça, à moins que j'ai pas entendu. Vraiment, ça m'a fait flipper quoi. Quelqu'un qui a derrière nous un screamer. C'est cette main, j'en suis sûr. Attrape-moi. Attrape-moi. Non mais cette main m'intrigue depuis toujours. Hein. Je me suis dit, qu'y a-t-il derrière la main? Certains d'autres vont faire des théories pourries. Oui, c'est Horatio qui revient. Il est là. Non, 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 non. Les gars, arrêtez. Horatio, il est mort. Il est pas là. C'est fini. Pensez pas à l'impossible. Horatio, il est mort. Pourquoi il ferait peur au Hackerspace? Pour l'explosion du hackerspace, bug ou mystère que j'avais fait, il y en a qui m'ont dit que c'est Horatio. Les gars, ça peut pas être Horatio, ça. Pourquoi il attaquerait son hackerspace? Mais pour moi, c'est quand même un bug parce que les fiches, vu comment ils étaient comme ça en l'air. Je me suis dit, c'est un bug. Donc voilà, ensuite, on va aller voir le toilette à 11h. Donc je me rappelle plus trop où est-ce que c'est. Ça devait être vers. Quelque part par ici. PM, hop. Donc vu que c'est à 11h, je vais me mettre à 8h. Parce que tant que j'arrive, tant que je cherche où est-ce que c'est. Je sais pas si vous galérez comme moi, mais c'est galère à mettre l'heure. Voilà, donc je vous retrouve au bus et aux toilettes. A tout de suite. Je sais pas vous, mais moi je galère tout le temps à le retrouver. On savait qu'il n'y a que 8h45. Je sais, j'arrive, j'ai du mal à le retrouver le truc à chaque fois. Hein. C'est bizarre parce que je me dis à chaque fois, est-ce que c'est vraiment l'endroit là? Non, là on part sur des couilles là. Ouais, là je suis parti n'importe où. Oh merde, c'est où? Non! J'ai perdu. Oui, non, là, il y a la maison, là. Oui, mais je l'avais enlevé, la vidéo, là. Ah oui, au fait, aussi. Oui, effectivement. Dans cette maison. Donc, je disais, dans cette maison. Les enfants parlaient de caca. Et si je peux vous montrer ce truc? Oh, c'est rien du tout, c'est juste un trou. Ah oui? Comment on explique ça? Du caca. C'est du caca, de la crotte, de la merdasse, de la shit, comme vous préférez. Avec du sang, ce qui fait aussi comme le toilette. Voilà. Donc ensuite, il n'y a rien d'autre d'exceptionnel ici. Hein, à part ces ruches qui m'intriguent un peu. Je sais pas si c'est des ruches. En plus, on peut les péter. Non, j'ai bugué mon. Voilà. Là, je touche à rien sur ma manette. Voilà, ça a bugué. Regarde, je peux faire ça n'importe où. Oh merde, j'appuie sur tous les boutons, voilà. Non, non, mais ça a bugué, je peux plus faire rien faire exploser. À moins que. Oh oui, danger. Voilà, donc j'en ai explosé un, donc je vois pas ce qu'il faut faire avec. Eh, attends, mais c'est vraiment des ruches? Ah ouais, trop bien, il y a du miel à l'intérieur. Oh, stylé. Bon, sinon, je vais essayer vraiment de. Oh, ce télescope m'a fait peur, je l'avais oublié. Cette musique, ça dégage. Le souci c'est que dans moins de 2h et 23h j'ai pas trouvé le toilette. Sauf qu'il pleut et il va faire noir donc ça va être galère. Oh là là, je vous retrouve tout de suite. Suffit de le demander. Juste 5 secondes après je viens de le trouver grâce à cette voiture. Donc le bus est là. Donc ça veut dire que le toilette n'est pas loin. Donc actuellement pour ceux qui savent pas il est juste ici le bus un petit peu plus en haut. Alors le toilette, le toilette, le toilette, le toilette.
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous galérez à les trouver, parce que là vraiment, je trouve qu'il y a quand même une petite difficulté. Hein. Et tu vois, quand tu dis c'est... Merde. Ah, c'est galère aussi pour mettre la map avec le drone. Quand tu dis par exemple c'est dans cette ruelle-là, juste ici, tu te repères face au bâtiment, tout ça. Mais là c'est juste ici, il n'y a rien. C'est pas détaillé en fait la map ici. Faudrait qu'il la détaille plus dans Watch Dogs 3. Même dans Watch Dogs 2, hein, ils peuvent plus la détailler en ce moment. Donc ça à foutre. Hein. Bon ben, je sais pas où ce qui est. C'est moi ou on pirate? Oh non, pitié! Fais pas comme la dernière fois que j'avais commencé à préparer la vidéo et que j'avais effacé finalement. Attends, il est pas là-bas. Ah mais non, pff, je pars vers le bus. Ok. Vite, 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 il va être bientôt 11h, je vais rater mon coup. Le toilette, vite, on s'en fout du bus. C'est le toilette le plus important. Oh merde, il est où le toilette? Il fait nuit, le drone, il peut pas mettre sa lumière là? Du coup, je suis obligé d'utiliser le netac, super. Mais il est plus là le toilette ou quoi? Limite, ça me fait rager. Où est ce toilette? Mais il est où? Il est où le toilette? Il est où? Ah, il est là! Regardez comment c'est magnifique. On dirait qu'il y a un orage qui va venir devant le toilette. Vous imaginez, là, il y a un... Pff, il y a un orage qui tombe et là, il y a deux fantômes qui apparaissent, il y a une cinématique et tout. Alors là... Oui, je suis en tenue du bruisseur, vous avez tous remarqué, et alors? Voilà, comme dit Marcus. Bon là, il est 10h actuellement, je vais couper un petit peu, sinon ça va être long pour vous, à tout de suite. Sinon, regardez comment ça fait peur, quoi. En plein bois, sans lumière. Je vais même pas mettre de lumière pour faire flipper encore un peu plus pour les plus jeunes. Non mais sérieusement, les plus jeunes, ne regardez pas ça, on sait jamais. Hein. Est-ce que je peux mettre une grenade dans le toilette? Ah non, ça va mettre au-dessus. Et voilà, j'ai encore bugué ma truc, regarde. Wouhou, c'est super. Voilà, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Le toilette est en verre, d'accord. Enfin ouais, c'est du verre, mais c'est pas du verre à impact comme ça. What? Le truc il se déplace comme si c'était fait exprès. Ah bah là mon pote, non. D'accord. J'ai fait des trous dans le toilette. En ce moment ça m'a fait flipper. Regardez la branche d'arbre. Ça a fait ça, seul coup. Tac, ça m'a fait peur quoi. Et je prenais des selfies, j'ai dit ça tombe, il va y avoir un scribeur derrière moi. Et j'ai vu ça. Attends, c'était où? Ouais, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh putain, c'est quoi ça? Mais c'était juste l'arbre. Là, j'ai remis parce qu'il est bientôt 23h. Attention, on va savoir. On sait jamais. Hein. Au moins, je vous fais voir. Ça sert à rien de tester. Après, s'il faut y aller à minuit ou des trucs comme ça. C'est bien, Marcus. Mets ton pied dans le chiotte. Voilà. Comme ça, tu vas rentrer dedans. Ça va faire une cinématique. Et tu vas être dans un monde parallèle. Voilà. Alors, attention. Une minute. Que dalle. Que dalle! Voilà, c'est dit, y a rien du tout, c'est du. Je vais pas dire c'est du gros fake, mais y a rien du tout. Ça sert à rien de tester, y a rien du tout. Vous allez me dire, ouais, mais t'as peut-être foiré, faut peut-être pas faire comme ça. Moi j'ai pas réussi du premier coup à 23h le truc. Oui, mais bon, non, ça ne marche pas, ça sert à rien. Je vais essayer avec le bus, il me reste. C'est pas grave si on est en retard de quelques temps. Non, non plus, y a rien du tout. Bon, voilà, y a rien du tout. Mais vraiment, vous aventurez comme ça. Vous avez pas peur en pleine nuit, pleine forêt, sans lumière, quoi. Non, ici, y a trop de lumière. Après, j'ai déjà entendu des personnes dire, ouais, c'est trop éclairé le jeu, regarde. On dirait qu'il fait jour. Mais c'est normal. En même temps, c'est normal, hein. Tu croyais qu'il allait te mettre la pleine nuit, quoi. T'aurais rien vu. Genre, ça t'aurait fait un écran noir, quoi. Tu peux rien voir, tu t'aurais aventuré, t'aurais tombé dans un ravin, t'aurais été mort.
devrais appeler un Ubisoft après. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude, hein, à vous abonner si c'est pas fait. Je vous invite vraiment à me dire si vous êtes abonné, si vous êtes nouveau, comme ça je peux vous connaître. Voilà. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez les vidéos pour me faire beaucoup plus connaître. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, c'est pas fini. Juste à la fin là, je vous mets le dernier bus. Allez, ciao tout le monde. Après aussi, le truc qui m'inquiète vraiment, c'est que près du bus, tout ça, il y a des voitures. C'est vraiment très mal fait Ubisoft. Hein. Fallait pas mettre des voitures à cet endroit-là. Je sais que c'est pour aider le joueur s'il n'y a pas de voiture à se commander ou des trucs comme ça. Mais vraiment, il devrait avoir personne qui garde leur voiture ici. Hein. Sachant que dès le début du jeu, on a au moins une voiture. Ah merde, j'ai quitté la confronte. J'ai lancé de confronte pour savoir où il est le bus. Allez, à tout de suite. Vraiment un salaud ce mec. Il y a un truc ici qui sonne, mais je peux pas le pirater parce qu'il a fait un blackout. Je m'en fous de ta confronte. Je veux voir ce que c'est. Putain, arrêtez de faire des blackouts, ça sert à rien. Ça va en rien vous protéger. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, je peux pas le pirater. Bon bah le jeu m'en interdit de le pirater, mais au cas où, ici, il y a un truc qui sonne. Hey, ça va ou quoi?